Peuple de Seattle, on vient de me signaler que ce bioterroriste, Delphine Rowe, a commis une nouvelle atrocité. Il est à l'origine d'autres carnages qui ont déjà coûté la vie à des centaines de nos fidèles gardiens du TUP et de nos concitoyens de Seattle. C'est ça que t'appelles un carnage? Bah attends, c'est juste un échauffement, là! Il est là! Cette petite saleté de Rowe! Tu ne quitteras jamais cette ville vivante! Sauver ces gens, Augustine? Tu veux la justice? Alors tu vas devoir m'arrêter avant. Oh, et d'ailleurs, je te souhaite bien du courage! Bon, le transformateur doit se trouver sur le toit en face de la tour. Tiens, Delphine. Une fois la défense éliminée, tu peux plus revenir en arrière. Alors, c'est quoi ton plan, porteur? Tu vas la prendre vivante pour montrer à tout le monde ce qu'elle a fait? Ou tu vas la tuer pour ce qu'elle a fait à Reggie? Cette salope va mourir. Il faut couper le courant pour entrer dans sa tour. Ok, je peux faire avec. Même si tout le reste est encore actif. Vraiment partout, les mecs! C'est gênant. J'ai plein de cadavres à punir. J'ai pensé à toi et je t'ai suivi. Ça ne m'embête pas. T'entends me voir? Je m'en sortais très bien. Je sais, mais... Alors, t'as des envies d'escalade? Tu déconnes. Les deux personnes que je préfère au monde dans la baston du siècle. Pas question de rater ça. Tiens, des joujoux pour faire de la fumée.
Je veux, je peux. Ces mecs sont nazes. Allez, envoyez-moi du lourd. Ok, c'est du lourd. Ça va être utile, ça. Petch, tu me sauves la vie. Hé, Petch, ce sera le moment de me filer un coup de main. Demande et tu recevras immédiatement. Chen, tu vois ? T'es vraiment un as pour remonter le score. C'est vachement pratique d'avoir des amis au placé. Subissez la colère de mes démons. Vas-y, mollo avec les discours, Eugène. Yo, Delphine, viens là. Faut que tu vois ça. J'ai trouvé un nouveau tremplin. Vous croyez que ça pourra vous sauver ? Utiliser mes nouveaux outils. J'ai l'impression que tout le toit est blindé. Laisse-moi essayer les rayons dessus. T'es sûr que tu peux percer ça? Ouais. C'est toi le gros geek qui arrivait à occuper le DIP assez longtemps. Mais crâne, je te protégerai du danger. Ça avance bien, Petch? Ne me presse pas, Delphine. J'y suis presque. Ça y est, vas-y Delphine. Tu rentres là-dedans et t'attrapes le style. Eugène et moi, on s'occupe de couvrir tes armes. Va et pénètre dans le domaine d'Augustine. La donzelle et moi allons te couvrir. Alors, tu n'as pas eu trop de mal à trouver ? Je suis au courant de toute l'histoire. Vous vous êtes servi de Hank pour l'accident. Vous avez fait passer Eugène et Fetch pour des monstres pour répandre la terreur en ville. Et tout ça pour que vous puissiez avoir le beau rôle. J'ai fait le nécessaire pour protéger les porteurs. Les protéger ? Vous les traquez. Vous les enfermez. Et vous leur apprenez à tuer. Je devais faire d'Abigail et d'Eugène des monstres. Parce que sans monstres, les chasseurs de monstres n'ont plus aucun lieu d'être. Alors vous avez fait tout ça pour ça. Gardez votre boulot. Et tu as failli gâcher toute l'opération. Mais finalement, tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée.
Tu les entends dehors? Ils te veulent mort. Et une fois que le monde entier aura vu la chef du DUP le sauver de la pire menace bioterroriste des 7 dernières années, ta mort va rapporter de quoi financer le DUP pour au moins 20 ans. Quelle chance de t'avoir rencontré ce jour-là. Vous réjouissez pas. Oh non. Tu as l'intention de me tuer? Alors là, je vais pas me gêner. Tu veux mon pouvoir ? Si tu insistes... Il y a 7 ans, mon unité devait sauver la population d'une nouvelle menace. Les porteurs. Des gens dotés de pouvoirs qui nous dépassaient tous. Ils étaient capables de tuer. Et de transformer certains d'entre nous en porteurs, comme eux. J'ai trouvé une autre survivante. Elle m'a suivie alors que j'essayais de regagner la protection de mon bataillon. Ensemble, nous avons sillonné une ville en proie au chaos qui voulait notre mort à cause de notre différence. Chaque jour, les lyncheurs se faisaient plus nombreux, horrifiés à l'idée que des porteurs puissent se cacher parmi eux. Nous n'avions blessé personne. Mais pour eux, nous étions des monstres. Quand les militaires ont repris le contrôle de la ville, c'est nous qu'ils ont pris pour cible. J'étais une porteuse. J'étais un soldat. Mais je ne pouvais pas être les deux. Alors, j'ai fait un autre choix. C'était la seule solution. En capturant le premier porteur vivant, j'ai gagné la confiance du gouvernement. Et ça, ce n'était qu'un début. Ils ont financé la création du DUP en pensant que nous n'étions que des monstres qui traquaient d'autres monstres. Mais ils avaient tort. Mon but était de sauver autant de porteurs que je pourrais. Si mes semblables devaient vivre, ce serait entre les murs de Cœur de Quai. Ça fait 7 ans que je les protège, moi. Je ne laisserai personne tout gâcher. Ni le gouvernement... ni l'armée... ni toi. Tout ce que vous avez fait en 7 ans... c'est les garder enfermés. Vous leur avez pris leur liberté. Et toi, qu'est-ce que tu ferais? Tu ouvrirais les portes de Cœur Dunkey, c'est ça? Tu les laisserais sortir? Bien sûr que c'est ce que je ferais. Le monde n'a pas changé ces 7 dernières années. Entre ces murs, les porteurs sont à l'abri. Ils sont en vie. Libère-les, ils seront tous morts en 1 semaine. Alors dis-moi, qui est le sauveur? Et qui est le monstre? C'est ce que tu voulais! Tu as gagné! Nous avons tous les deux les mêmes pouvoirs! La seule différence, c'est que j'ai eu 7 ans pour m'entraîner.
paraît que ça fait mal. Augustine avait débarqué à Seattle avec un plan. Semer la peur, la panique, le chaos, en se faisant passer pour une héroïne. Mais ses plans avaient volé en éclats, à cause des monstres qu'elle avait elle-même créés. Fetch, Eugène et moi. Pendant 2 semaines, Augustine avait contrôlé Seattle. C'était enfin notre tour. Et qui allait bien pouvoir nous en empêcher? Oh, et les centaines de porteurs qu'Augustine avait fait enfermer dans sa prison de cœur d'un quai? Je leur serrerai la main avec ferveur, un par un, dès qu'ils franchiront la porte. Tellement de pouvoirs différents, tous regroupés au même endroit. Comme un gosse chez le marchand de bonbons. Mais d'abord, il me restait à tenir ma promesse. Hey, salut les Akomish! Venez saluer votre héros! Ah, la voilà. Wow, hey, du calme! Quoi, je reviens vous sauver? Les reportages montraient tout. J'ai vu. Des horreurs. Ok, écoute. Je t'ai vu tuer des dizaines d'innocents, Delsin. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse, hein? J'allais pas laisser qui que ce soit, ni quoi que ce soit, m'empêcher de vous rejoindre pour sauver tout le monde! On est des Akomish. On doit s'entraider, pas vrai? Hé, doucement. Tu as déshonoré notre peuple. Tu as déshonoré nos ancêtres. Et tu as déshonoré la mémoire de ton frère. Tous les Akomish t'ont renié. Toi et tous les autres, vous mourrez sans moi. Est-ce que tu l'aurais oublié? Nous n'avons pas oublié. Et nous n'oublierons jamais. Mais